Bienvenue au Studio Rock Moderne avec deux superbes unboxings. Alors l'un consacré à Ultravox et la box anniversaire, 40e anniversaire pour le troisième album avec Midjour, je précise, d'Ultravox, Quartet, sorti en 82-83. Et aussi avec plusieurs disques live, notamment un live d'Ultravox d'ailleurs, qui vient donc de chez Remedy Records en Angleterre, avec des frais de port. Ils sont spécialisés donc dans les albums Gatefold, Trifold, live. Voilà, je vous le conseille donc, et on va ouvrir en deuxième partie de l'unboxing consacré à Ultravox. On va ouvrir ce live, mais qui est beaucoup plus récent. Il fait partie du tour de 2012. Alors, en ce qui concerne la box anniversaire, voilà, donc édition limitée, 4 LP, il y a deux albums, deux doubles albums, deux doubles albums et 4 LP en Half Speed Master. Voilà. Et on a le fameux live réalisé pour la première fois au Hammersmith à Londres en 1982. Voilà. Alors on a l'album donc ici, et on a aussi, je crois, des versions remasterisées, remixées par Steven Wilson, comme d'habitude, à chaque fois qu'il sort des albums anniversaires donc d'Ultravox, notamment les trois premiers, avec Midjour, je précise, puisque avec John Fox, il y a eu plusieurs albums précédents. Voilà, donc dessus, bon ben ça, je peux vous rappeler, il y avait les singles Reap the Wild Wind, sorti été 82, Visions in Blue, We Came to Dance, et The Hymn, évidemment, et puis aussi Serenade, hein, de mémoire, qui est jamais sorti, en fait. Le maxi est jamais sorti, mais il était prévu, donc il y a eu cinq singles, en fait. Voilà. Et on a joli leaflet liner avec le sigle du monument du Travox. Enfin l'artwork, et on a donc deux disques avec des macarons qui ressemblent, qui sont pas exactement comme les originaux anglais, mais qui ressemblent. On a le petit sigle de l'album Quartet, voilà, qui fait pendant au live d'ailleurs, qui s'appelait Monument, aussi sorti un peu après. Voilà, donc 180 grammes, très bien pressé, et vous voyez, c'est gris, hein, voilà, c'est gris. Un petit effet un petit peu légèrement rosé. Mais voilà, donc très 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 belle édition, très bon pressage. Donc l'album, plus des démo versions. Enfin, je ne vais pas tout vous expliquer. On a des single versions, on a encore un live. Et des single versions, des remixes un petit peu alternatives, vous voyez, ici. Donc l'album ici. Remix ici, et les singles ici donc, et là vous avez donc le live avec des reprises: Reap the Wild Wind, When the Screams Subside, The Thin Wall, New Europeans, des reprises des trois, en tout des trois albums et des deux albums précédents, hein. Voilà, I Remember, Visions in Blue, Mr. X, Sleepwalk, The Voice, Vienna, All Stood Still, Passing Strangers, Zim, etc. Donc un très 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 bon live, hein, vraiment, je vous le conseille, rien que pour le live. Voilà, puisque c'est d'après ce qui est dit, ce serait sorti pour la première fois, donc ce live Deluxe Edition. Voilà, je remonte un petit peu tout ça. Le Hammersmith 1982. Enfin, je crois que j'avais vu des extraits en vidéo. Je me demande si c'est pas sorti en DVD, ça. Et c'était assez excellent, hein. Excellent. Je me demande si je l'ai pas en cassette d'ailleurs, ça. Cassette vidéo. Là-haut. Voilà. Donc sur deux.
sur deux disques, hein, Rip the White Wind, The Cinema New Europeans, We Stand Alone. Oh, c'est fabuleux, fabuleux. Voilà, je répète, je me répète, mais vraiment fantastique. Et on a un petit keyliner aussi, qui m'est pas inconnu. Hein. Je pense que je l'ai vu dans un album du Travox. Donc, Hammersmith 82, avec l'artwork donc du Travox. Voilà. Et on a un petit peu le macaron qui ressemble un petit peu avec la couleur, comme ça, vers bouteille. Toujours 180 grammes, très bien pressé. Mais je pense que c'est la première fois que c'est sorti en vinyle, au moins. Il va falloir que je fasse des recherches. Vous pouvez peut-être m'aiguiller si jamais... voilà. Si jamais vous avez des connaissances, si vous savez que... des informations. Voilà, si c'est sorti en DVD. Alors, donc, chez ce label anglais spécialisé dans les lives, Ultravox 2012 Tour, avec la reprise donc des albums, bah, de ces trois albums en fait, hein, puisqu'on a New Europeans, Mr. X, Rip the White Wind, Visions in Blue, White China, son quatrième album avec Midjour, hein, je précise, donc Lament de 84, The Sin Wall, I Remember, Vienna, Stool Steel, The Hymn Dancing with Tears in My Eyes, Love is Great Adventure, sorti en 1983 de mémoire, je crois, 3 ou 4, et hors album, hein. Voilà, Brilliant, il y a Brilliant, tiens, voilà, Brilliant qui est un titre plus tardif, voilà, donc je crois que c'est un trifold, vous avez tout ça, donc... Hammersmith Odéon, toujours pareil. Hein. Voilà, mais en 2012, là, attention, hein, c'est pas des enregistrements d'époque. On va essayer de l'ouvrir. Là, par contre, c'est pas évident. Pas évident, pas évident, pas évident. Donc, j'attendais d'avoir la réception des deux colis. Ça a été un peu laborieux. Hein. Voilà. Et puis alors, bon, à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, c'est aux alentours de 70 €, alors qu'en France, on l'a à plus de 100 €. Hein. C'est cette box Ultravox, c'est un peu un scandale. Voilà, c'est un peu scandaleux, scandaleux, scandaleux. Enfin, c'est comme ça. Donc, Ultravox, regardez ce trifold, s'il n'est pas magnifique. Hop, enfin, mon manque qui soit fabriqué. Hein. Voilà, regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Midjour, évidemment, Billy Currey. Chris Cross et Warren Kahn aussi, bien sûr. Voilà. Donc, on a évidemment, ils ont pris un petit coup de vieux, hein, parce qu'ils sont quand même plus vieux que moi, hein, au moins plusieurs années plus que moi, et ils approchent des 70 ans, je pense. Hein. Voilà. Enfin, ils ont quand même pas mal de punch sur scène encore. J'écouterai bien la différence, on verra. Alors, on va voir comment ça se présente. Avec des pochettes antistatiques. Et là, pareil, on a un petit peu pot de pêche, vous voyez. C'est assez joli. Hein, voilà, avec un macaron, 180 grammes. Ben, je sais que j'avais un live de Bananarama chez eux. Pas cher du tout. Sur leur site, ils sont pas chers. Hein, parce qu'ailleurs, vous les trouvez à des prix de dingue. Voire sold out. Je pense qu'ils sont disponibles que sur leur site. Hein. Ce sont un peu des exclusivités. Voilà. Et on a... Ultravox, pareil. Voilà, c'est pareil. Hein, je ne vais pas tous vous les sortir. Tous vous les sortir. Celui-ci aussi. Il n'y a pas de liner. Il n'y a rien d'autre. Voilà, ils ont fait un effort que sur la pochette. C'est déjà pas mal. Voilà, donc trois disques. Trois disques ici. On les voit bien. Voilà. Voilà, je peux vous en ressortir les derniers. Voilà, pareil, vous voyez. Avec toujours ces belles couleurs. Alors ensuite, donc toujours de l'unboxing, du second unboxing, donc de chez Remedy Live Records. Alors un OMD Live at the Royal Albert Hall. Alors comme j'en ai pas mal, j'ai quand même vérifié que si je l'avais, et non, donc 2022, parce qu'il est très récent. J'avais un petit peu des lives antérieurs, mais pas celui-ci. Oh, pareil, un trifold OMD avec des titres
On va voir tout ça. Pareil, donc trifold. Alors, c'est vrai que c'est à cause des frais de port, parce que sinon ça coûte une trente. Il n'y a pas les prix là, c'est dommage. Ça coûte une 30, 35 euros, je pense. 35 livres peut-être. Et puis il y a les frais de port, voilà. Et puis les droits de douane aussi. Voilà. Donc c'est ça qui fait un peu mal, mais de toute façon on ne les trouve pas ailleurs. Alors OMD, live at the Royal Albert Hall. Bah, ils sont un petit peu abonnés. Hein. Ultravox, c'était Hammersmith. Et puis Albert Hall, c'était OMD. Hein. Voilà, ils sont un petit peu fidèles. Voilà, tous les titres. Alors, 2022, c'est un petit peu plus âgé que moi aussi. C'est autour de 65 ans, hein. Un petit peu plus peut-être. Et... voilà. Ah ben là par contre on a un liner. Je vais quand même vérifier parce qu'ici il n'était pas collé celui de d'Ultravox. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vais quand même vérifier. Parce que je vois. Non, il n'y en a bien pas. Alors pourquoi là il y a un liner sur celui-ci et pas l'autre? Bizarre. Hein, c'est very strange. Bon, ma foi. Peut-être que OMD a tenu à ce qu'il y a. Ce poster superbe avec des vues du live à 2022. Hein. Moi, je sais qu'ils gagnent surtout de l'argent tous ces groupes avec des lives. Voilà. Et vous avez vu ces éditions orange superbe 180 aussi. Voilà. Donc là, je viens de les ouvrir. J'ai pas pu tester le pressage, mais je sais que le Bananarama était très bien pressé aussi. Est-ce que c'est les mêmes macarons? Ouais, enfin, je peux vous sortir à chaque fois. Ça meuble, comme on dirait. Ça meuble un petit peu la vidéo. Voilà, donc... et après, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dessus. Voilà, c'est un petit peu ma spécialité, hein, tout ça, ces groupes. J'allais dire, je suis né avec. Voilà, je suis né avec ces groupes. Voilà. J'étais biberonné avec ces groupes, Ultravox, OMD, Dépêche Mode, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme chant, comme titre? Ce serait bien que ce soit précisé. Là, là. Alors, on reprend tout ça. Voilà. Donc, Atomic Range, Stan Lowe, surtout Pretending to See the Future, premier album de 80, Messages, premier album, Red Frame, White Light, premier album, Julia Song, premier album, Isotype, dernier album, je crois 2017, je ne sais plus, Statues, deuxième album, celui des Noulagay, Almost, premier album, The Punishment of Luxury, dernier album, Bunker Soldiers, premier album, Electricité, premier album. Il y a pratiquement tous les titres du premier album. Ensuite, on a Please Remain Seated, Ghost Star, History of Modern Part 1, Forever Live and Die, que j'aime moins de 86, If You Live, de 85, il me semble, Souvenir de 82, Joan of Arc de 82, Maid of Orleans de 82, Or System, So in Love de 85. Alors, Souvenir, Joan of Arc, tout ça, Maid of Orleans, c'est sur Architecture and Morality, leur troisième album de 82, Sailing on Seven Seas, donc après, c'est plutôt années 90, c'est Noulagay, ce deuxième album, Walking on the Milky Way, album de 96, je crois, The Romance of the Telescope, phase B du maxi de Joan of Arc que l'on retrouve sur le Dazzle Ship, le quatrième album de 83 d'OMD, Romance of the Telescope, donc sorti en 82, qui avait été écrit en 81 au manoir. Voilà, donc un bon live en perspective. Et alors après, on a le soft sell. Alors d'abord, je vais vous laisser de côté donc, ce live parce qu'il va sortir la box anniversaire du Lexicon of Love, je vous le conseille, donc avant qu'elle soit sold out. Donc d'ABC, je crois il y aura 4 vinyles qui ne seront pas de couleur noire. Alors je réserve l'unboxing du live consacré au Lexicon of Love, donc de 82, avec évidemment Look of Love, etc. Alors je ne sais pas, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a le Look of Love évidemment, mais il y a aussi tous leurs albums des années 80, là, ici, donc sur ce live, mais je l'ouvrirai comme c'est la pochette un petit peu qui reprend
qui reprend cet album du Lexicon of Love de 82 où il y avait All of My Heart, Poison Arrow, Tears Are Not Enough, et puis donc Look of Love de mémoire. Hein. Mais enfin là, vous voyez, il y aura pas mal d'autres titres. Alors ça, je réserve l'unboxing, l'ouverture, quand je recevrai la box au mois d'août, donc d'ABC. Mais par contre, Non-Stop Exotic Cabaret, donc album de 1904, fin 81 de Soft Cell avec Tainted in Love, évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Say Hello, Have Goodbye, et puis Bed Sitter. Voilà. Je regarde, Ships on My Shoulder aussi. Ça reprend un petit peu leurs deux premiers albums. On a Torch aussi, on a Where the Heart Is, deuxième album de Marc Almond, enfin de Soft Cell. Martin, The Art of Falling Apart, deuxième album. Frustration, premier album. Tainted in Love, premier album. CD Film, premier album. Youth, premier album. Sex Dwarf, premier album. Tainted in Me, premier album. Ships on My Shoulder, encore. Premier album, Bed Sitter, premier album, Secret Life, premier album, Say Hello, Wave Goodbye, premier album, Purple Zone, Memorabilia, donc antérieur à l'album, donc par Daniel Miller, hein, qui avait pas mal remixé Depeche Mode, hein, ce son, c'était le premier maxi de Soft Cell chez Somme Bizarre, donc Torch, qui était hors album, donc sorti en 82, voilà. Donc il y avait pas mal de choses et c'était enregistré, je me souviens plus. Le live était, je me demande s'il n'y a pas plusieurs lives avec Dave Ball évidemment. Voilà, cherchez Live Erno. Voilà le nom que je vous ai cité, c'est le label. Plutôt c'est la maison de disques. Voilà, mais administrative, mais autrement, c'est le label, c'est liveerno.co.uk, si vous voulez commander. Voilà, je vais chercher liveerno, mais c'est pas forcément la société, le nom de la société en fait. Disons, pour arriver à ouvrir ça, c'est une box en fait. Ah oui, c'est un unboxing. Voilà, dites-moi, je sais pas du tout. Je pense. Ouais. Je ne voudrais pas le déchirer. À mon avis, il n'y a pas de. Ah, oui, en fait, ça y est, j'ai compris. Je ne voyais pas, j'avais pas mes lunettes. Il y a une sorte d'enveloppe ici, une encoche. Alors, je ne sais pas si je peux garder. Ah, ça aurait été bien de garder ça. Ouais. Ça aurait été sympa. Je sais pas, parce que des fois c'est là, c'est un petit peu délicat. C'est pas évident, hein. Faudrait pas l'abîmer, mais c'est pour garder un petit peu le blister. Voilà, je pense qu'on va y arriver. Ouais, on va y arriver. On y est arrivé. Et là, c'est fantastique. On y est arrivé, vous voyez. Donc, voilà comment ça se présente. Ici, voilà les titres. Et la petite enveloppe là qui s'ouvre, ça c'est sympa. J'ai des fois des maxi, des choses comme ça qui avaient ce concept. Voilà, bon, il me semble qu'il y a plusieurs lives, me semble. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis en particulier le live. C'est une compilation de live, mais récent. Hein. Mais récent. C'est peut-être marqué dessus. 2023. Ça vient de sortir en fait. Hein. Vraiment, ça c'est assez récent. C'est des éditions
assez récente, la ABC aussi 2023. C'est tout des voilà, vraiment très joli. Grazie. Homer Smith. Voilà, Homer Smith apparemment, notamment. Je ne sais pas si vous arrivez à lire là. Pas mal du tout tout ça. Donc j'aime bien. Vraiment ce concept, c'est super. Et là, je vais pouvoir garder le, parce que je ne vais pas pouvoir mettre ce, vu le volume de cette box, la remettre, la reprotéger. Donc, je vais garder le blister comme ceci. Vraiment très jolie box. Elle était un peu plus chère celle-ci. C'était 50 livres quand même. Attention, hein, parce que voilà. Et puis alors, c'est super. Vous allez voir ça. C'est vraiment super. Celle des BC, jolie. Regardez ça. Ce ne sont pas les poussières. Hein, ce sont des particules de métal. Voilà, regardez comme c'est beau. Il faudrait presque éteindre pour que... Voilà, je ne sais pas comment faire pour... Voilà, voilà, exactement. Il y a des particules de... des paillettes brillantes, comme ça. 180 grammes. Oh, j'ai hâte de... d'écouter ça, vraiment. Alors, je les ai écoutés quand même sur... il y a les vidéos sur YouTube, hein, avec... ils sont filmés, hein. On retrouve, il y a des extraits, il n'y a peut-être pas tout, mais il y a des extraits et franchement, c'était excellent. C'était vraiment excellent, excellent. Tous ces lives, vraiment, je vous conseille ce site, regardez là. Voilà, translucide, hein, voyez, regardez, c'est beau. Oh. Ouais, parmi mes plus beaux disques, voilà. Enfin, 50 livres, ça commence à faire. Les autres étaient moins chers, mais celui-ci, je me demande s'il y en a pas. Ouais, il y en a 4, hein. Il y en a 4. Ah, je vous les remonte tous, hein, tellement qu'ils sont beaux. Puis on a le temps. C'est l'été, on est en vacances, il faut se détendre. Voilà, regardez ça. Fabuleux. Regardez. Vraiment, ils ont fait quelque chose de superbe. Voilà, il y a un disque de plus, donc vous payez 15 euros de plus. Ouais, 15 dix de plus. Voilà. Donc, mais ça valait le coup. Il vaut mieux grouper parce que les frais de port, il y en a... Plus vous en commandez, moi, ça fait moins cher, ça augmente pas tellement les frais de port. Voilà, c'est pas proportionnel, proportionnel au disque, c'est pas, mettons, 15 livres par disque ou 10 livres par disque, non. Je crois que vous payez 35 euros de frais de port, que vous en commandiez 5 ou 6 ou 3 ou 1, voilà. Donc, c'était quand même assez intéressant d'en prendre. Alors, évidemment, vous avez les frais de douane, mais c'est tout. Donc, bon, on les retrouve aussi, j'ai l'impression, sur les sites des artistes, hein, sauf celle. Oh là là, ça se barre, ça. Ouais. Live Erno, hein, sauf celle.co.uk aussi. Et celui-là, vraiment, est très, très, très bon. Vraiment, ouais, là, vraiment. Bon, ils ont des tas de live, hein, il y a beaucoup de groupes. Je me souviens plus ce qu'il y avait encore. Je pourrais regarder puisqu'on a un petit peu de temps. Je vais regarder, je vais vous dire tout de suite les autres. Alors, Live Erno. Alors, Live Erno.co.uk. Allez, c'est parti. Allez. Hop. Ouais, les ABC évidemment, Bananarama, il y a The Damned, il y a Live sur Damned, il y en a plein, il y a Erasure aussi. Erasure, ouais, Erasure, c'est quoi ça? Ouais, 44, 99, 45 livres. Voilà, moi je suis moins Erasure. Voilà, après, chacun ses goûts. Hein. Qu'est-ce que vous avez encore? Il y a The Mission aussi, qui est pas mal. Le live du groupe The Mission. Orbital aussi.
OMD évidemment. Le soft-sell, il est là. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas quand même, il y en a 4, 8. Alors, on va multiplier par 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, il y a 45. Vous avez 45 lives. Voilà. Il y a Boyzone aussi. Bullet for my Valentine. Il y a Blue, le groupe Blue. Bananarama, je vous en ai parlé. Il y a Lloyd Cole aussi, qui en a fait un. Il y a pas mal, hein, il y a pas mal de choses. Peter Hook, and the Light. Marillion, Marillion aussi. Bon, très bon. Donc, liveerno.co.uk. Voilà. Ouais, j'espère que ça vous a plu. C'est live. Voilà. Que je découvre un petit peu avec vous. Donc, il y aura une box, la box Depeche Mode, hein, Sons of the Universe, je crois. Oui, donc au mois d'août. Et puis la box donc d'ABC. Donc, deux box, deux unboxings. Et je réserve donc l'ouverture de ce disque. Voilà, puisque ça ressemble, bien que je vous dis, ça reprend un peu tous les albums d'ABC. Mais bon, voilà, ça fait déjà beaucoup de présentations. Voilà, Ultravox, et puis on attend avec impatience donc l'année prochaine l'unboxing de la box du quatrième album avec Midjour, Ultravox Midjour, je précise, quatrième album de 84, Lament, alors qui avait fait percer vraiment le groupe à l'international, et vraiment qui, parce que Midjour avait travaillé avec Mick Karn du groupe Japan. David Sylvian, tout ça, Mick Karn, Midjour, donc avait travaillé avec lui, et donc il y a eu une influence un petit peu japonisante, entre guillemets, un petit peu asiatique, un petit peu sur l'album Lament, tout en étant très poétique, très new wave, très cold wave. Voilà, c'est assez sympathique, c'est assez sympa ce mix des deux, et j'adore cet album. J'avais trouvé une réédition avec des bonus. En CD puis aussi en vinyle, et je languis d'avoir cette box parce que c'est vraiment mon préféré du Travox. Voilà, donc après vous me dites tout le temps, ouais, avant que ce soit sold out, faut me prévenir de ce qui va sortir. Ben voilà, donc la box d'ABC, je réfléchis, la box de Depeche Mode, et puis voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire. Allez, salut, à bientôt, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Qu'on arrive enfin aux 2000, hein, on arrive en 1900, là. Enfin, qu'on dépasse les 2000, parce qu'après, là, je me repose. Non, je rigole. Donc, le pouce bleu, toujours une certaine courtoisie, hein, dans les commentaires, parce qu'on voit des choses. J'en supprime, hein, 1 sur 100, 1 sur 500, très rarement, mais parfois, je suis obligé, parce qu'il y a quand même des grossièretés déplacées. Enfin, quand c'est encore. Quand c'est encore logique, juste, je me suis trompé, etc. Mais après, il y a des fois des commentaires qui sont abusifs. Voilà. Allez, à bientôt.